Salut à tous mes amis investisseurs et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où j'ai expliqué pourquoi Total à centimes est une bonne opportunité d'achat. Pour commencer Total, ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise française qui est dans le CAC 40, donc une des très grosses entreprises françaises. Personnellement, je suis déjà actionnaire de Total. Je possède 5 actions sur EBKR. Donc on va rentrer dans le détail de l'action Total. Donc on peut voir que l'action a un rendement de 5%, donc un rendement élevé, un PR de 7,38 si on regarde le prix de l'action depuis 10 ans, plus de 10 ans, on peut voir qu'il y a une belle augmentation, une belle croissance. Quant à son dividende, il y a aussi une croissance. Attention à l'année 2019 qui a eu une baisse, et l'année 2021 aussi. Et si on regarde l'année de 2022, si le dividende est à 3,67, c'est parce que Total a payé un dividende d'un euro. Supplémentaire. Donc, si on réduit 7 euros, on se retrouve avec un dividende de 2,67. C'est donc une augmentation par rapport à 2021. Quand on regarde 2023, le dividende est prévu à 2,96, qui est donc très grosse euh, amélioration par rapport au dividende, au dividende de 2,67. Maintenant, si on regarde le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'année dernière a été très très bon. Le free cash flow a explosé tout simplement, ainsi que le bénéfice par action. Concernant les marges, il y a aussi une progression euh, durant chaque année. On peut voir quand même, on peut noter l'année Covid qui a été négative pour total, forcément. Maintenant, on va regarder le ratio de distribution, ce qui est important. Savoir combien pourcentage des bénéfices l'entreprise distribue à ses actionnaires, donc en 2020, on peut voir que l'année du Covid, plus de 100%, donc ce qui est vraiment inconcevable pour pouvoir investir. Mais en 2022, on se retrouve à un 26%, donc autant dire que c'est vraiment rien. Donc, ça, c'est vraiment très très bon point pour Total Energy. Maintenant, si on regarde son PER de 7,38 et qu'on le compare avec quelques concurrents comme Chevron, où le PER est à 8,65 et Exxon qui est à 7,34, donc un petit peu en dessous de Total, mais vraiment pas loin, on peut voir que Total, du coup, se situe pas trop mal et même en dessous de Chevron. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de regarder la dette de Total aussi. Les entreprises comme ça ont beaucoup de dettes, savoir s'ils arrivent à baisser leur dette ou non. Et quand on regarde, du coup, la dette nette, on peut voir que Total, avec l'année Covid, a augmenté sa dette, mais depuis, a réussi à la diminuer d'un facteur 2, donc ce qui est tout simplement énorme. Donc c'est plutôt positif pour l'avenir. Maintenant, en regardant le consensus sur zone bourse, on peut voir que voilà, les analyses prévoient une augmentation de 20% possible. Pourquoi du coup j'investis à ce moment-là, c'est que depuis un mois il y a eu une petite baisse de 7%. Donc c'est je trouve que c'est un bon moment pour entrer dans l'action. Donc l'action est à 5,54. Donc je peux m'acheter uniquement cinq actions. Donc je passe vais passer un ordre du coup pour pouvoir investir devant vous pour vous montrer que voilà je crois vraiment à l'action. Donc on va acheter 5 actions. À 54,50, on va passer l'ordre. Accepté. Et voilà, mes actions totales ont été euh, achetées. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je me retrouve avec 10 actions totales. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis tchuss